Bonjour tout le monde, bienvenue à tasmonster.com, j'espère que vous allez bien, merci d'être là. Ça commence à sentir le début de saison, c'est blanc dehors, on a reçu environ une dizaine de centimètres. La motoneige est dans l'atelier, puis le salon de la motoneige vient de finir. Je vais vous parler d'un produit que j'ai rencontré, j'ai trouvé là-bas. C'est des bouchons, des porte-canettes pour mettre sur le bouchon à essence. Il y a deux modèles qui existent, un en plastique thermoplastique, plastique moulé compressé, ou ceux-là qui sont imprimés 3D. C'est vraiment là, tout d'un bout à l'autre. Il en existe pour BRP, Yamaha, Arctic Cat et Polaris. Moi, aujourd'hui, je vais vous montrer celui du Polaris. La compagnie, c'est Meilleure Innovation. Président, c'est Jean-Daniel Meilleur. Personnage très sympathique, très courtois, répond aux questions. Vous pouvez aller sur leur site, c'est meilleurinnov.com. Je vais vous mettre les descriptions. Une autre chose aussi pour les produits, vous pouvez les trouver sur Amazon. Et puis, ils sont garantis à vie. Fait que vous brisez, il y a un problème avec, je ne vous pas appeler à Québec. C'est une compagnie de Québec, justement. Jean-Daniel va vous répondre, va vous accommoder sans problème. Mais avant de commencer, on s'abonne à la chaîne, on clique sur la petite cloche. Puis, si vous avez des commentaires, des suggestions, je ne vous pas laisser là en bas. On va regarder un peu plus près comment ça fonctionne. Alors, deux modèles assez simples. Un qui remplace votre bouchon au complet, vous pouvez laisser en permanence, pratique à la cabane à sucre quand vous promenez tranquillement ou sur le terrain, puis le breuvage reste tout le temps à portée de la main. Un qu'on peut mettre dans notre sac à dos, on fait juste clipper sur le bouchon. Les bouchons qu'on voulait toujours garder accès à votre aiguille, mais celui-là est pratique. Pour la canette, c'est un format standard. Il ne va pas cogner sur votre aiguille parce qu'il y a des petits stoppeurs dans le fond. Fonctionnement assez simple. On le prend, on l'installe dessus. T'installe. Oup, canette. Puis comme vous pouvez voir, là, c'est pas trop compliqué. Pour l'enlever, juste tirer un peu sur des petites languettes, puis ça va faire le job. Et... bon, on peut voir d'un peu plus près. Le fonctionnement est assez simple. On peut juste clipper dessus. Ploup! Ça prend les coches assez facilement. L'autre modèle, qui est carrément un bouchon à essence. On l'enlève l'autre, on met lui. C'est solide. Ça bouge pas. Il est étanche. Il est conçu là, pour les motoneiges. Il y a le caoutchouc dans le fond. Mets ça dessus. Et puis, canette fait très bien. Deux modèles disponibles. Celui avec sans fond. Tout simplement pour les bouchons essence qui a un aiguille dessus. Fait comme ça, on garde toujours accès. Facile installation. On s'enligne dans le milieu de nos encoches. Clouc. Canette rentre très bien. Touche pas au fond parce que dans le fond du bouchon, on va regarder, okay. Il y a des petites encoches, la canette va pas plus loin, fait comme ça, ça va pas graffiner là-dessus. Par après, on a la version qui remplace votre bouchon. Si vous avez l'option d'affichage de votre niveau d'essence à sur votre tableau d'indicateur, vous pouvez tout simplement mettre celui-là. La canette rentre très bien. C'est stable, ça ne tomblera pas. Vous pouvez vous promener tranquillement. Le breuvage reste tout le temps proche. On peut voir là, d'un peu plus près pour lui. Le principe est assez simple. Il faut juste rentrer et ça reste solide. Ça ne tombera pas. Alors, pas trop compliqué. C'est un bouchon. On ne réinvente pas la roue, là, c'est un bouchon. Pour celui-là en plastique injecté, tout simplement, on dévisse le bouchon d'origine, on met lui. Puis je vous présente aussi que c'est votre dernier bouchon que vous allez acheter parce qu'ils sont garantis à vie. Fait que s'il craque ou il y a un problème, appelez directement Jean-Daniel chez Meilleure Innovation puis il va pouvoir vous aider. Gênez-vous pas. L'impression 3D, même principe, garantie à vie. Ce qui est pratique, c'est qu'on peut l'enlever, on le met dans le sac à dos. C'est très facile à transporter. Alors, deux modèles disponibles pour les quatre grands fournisseurs principaux
Polaris BRP Yamaha Arctic 4. Pour vous procurer les produits, vous pouvez aller voir sur leur site internet meilleurinnov.com. Les produits sont disponibles sur Amazon. Fait que une place assez facile là, de s'en procurer. C'est une compagnie de Québec, Jean-Daniel Meilleur, qui en est le président. Très gentil, je l'ai rencontré au salon de la motoneige, puis si vous avez des questions, il va vous aider sans problème. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, des suggestions, je ne vous pas, laissez-les en bas. On clique sur la petite cloche, on s'abonne à la chaîne, puis on se dit à la prochaine. Bye!